Elle est désormais à 90 km d'Accra, la capitale du Ghana. Voici les dernières nouvelles de l'ivoirienne Yasmine Afoué Diawara, cycliste amateur. Pour rappel, elle a quitté Abidjan le mercredi 19 juillet à 10h pour relever le défi fou de parcourir la distance de 602 km à vélo d'Abidjan à Accra. Chers tous, aujourd'hui, je viens vous parler d'une femme extraordinaire qui incarne la détermination, le courage et l'esprit d'aventure, Yasmine Afoué Diawara, une cycliste amateur ivoirienne qui nous inspire tous par son incroyable défi. Partie le mercredi 19 juillet à 10h d'Abidjan, notre héroïne s'est lancée dans un challenge audacieux, celui de parcourir à vélo la distance vertigineuse de 602 km jusqu'à la capitale du Ghana, Accra. Aujourd'hui, elle est désormais à 90 km de son objectif, et chaque coup de pédale qu'elle donne nous rapproche un peu plus de l'accomplissement de ce rêve. Yasmine Afoué Diawara est bien plus qu'une simple cycliste, elle est une source d'inspiration pour tout ce qui l'entoure. À travers son périple, elle nous rappelle que les rêves sont faits pour être poursuivis avec passion et détermination. Elle nous enseigne que les frontières ne sont que des lignes sur une carte et que la volonté humaine peut nous transporter bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ce défi fou, qui met à l'épreuve son corps, son esprit et son âme, nous rappelle que les obstacles ne sont que des opportunités déguisées pour grandir et se dépasser. Malgré la fatigue, les incertitudes et les difficultés rencontrées en cours de route, Yasmine continue à avancer avec un sourire radieux sur son visage, illuminant ainsi les cœurs de ceux qu'elle rencontre en chemin. Sa persévérance est un message puissant pour chacun d'entre nous, nous rappelant que le chemin vers la réussite est rarement facile, mais qu'il est toujours gratifiant pour ceux qui osent le parcourir. Son voyage représente l'expression la plus pure de la liberté et de l'indépendance, nous rappelant que nous sommes les maîtres de notre destin et que rien n'est impossible lorsque nous croyons en nos rêves. Aujourd'hui, en tant que communauté, nous sommes tous derrière Yasmine, la soutenant de tout notre cœur et de toute notre énergie. Nous admirons son courage et son audace, et nous sommes impatients de la voir franchir la ligne d'arrivée à Accra, triomphante et fière de son exploit. Yasmine Afoué Diawara, nous te saluons et t'envoyons tout notre soutien pour les derniers kilomètres qui te séparent de la capitale du Ghana. Que ton voyage reste gravé dans nos mémoires comme un rappel perpétuel de ce que l'esprit humain est capable d'accomplir. Alors, à tous ceux qui ont la chance de croiser sa route, je vous invite à l'encourager, à lui offrir vos sourires et vos encouragements, car ensemble, nous formons une chaîne d'amour et de solidarité qui repousse les limites de l'impossible. Que vive la détermination, que vive l'aventure, et que vive Yasmine Afoué Diawara. Go Yasmine, go, nous croyons en toi. Jean-Eudes Moreau. Enregistre, aime et partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu de ce genre.